Salut mes coachs, salut mes rageux, j'espère que vous allez bien. Coach Larache pour vous servir et pour vous instruire. Coach de foot depuis le match prolifique entre Manchester United et le Real Madrid de 2003. Ce match, si tu l'as loupé, bah sincèrement, c'est comme la Rolex avant tes 50 ans. T'as loupé ta vie, t'auras dû jamais l'être. Attention, talent, et talent très spécial et très très jeune, Adam Lamouchi. Il est né le 10 mai 2007, c'est un milieu de terrain du Racing Club de Colombes. En U13 bien sûr, il n'est pas en centre de formation. Ouais, il a que 12 ans, mais je l'ai repéré sur Facebook. J'ai vu des images de lui, et sincèrement, ce petit c'est un phénomène. Je l'ai vu, enfin j'ai vu un petit joueur dribbler des plots. Donc le petit il est sensationnel, il est phénoménal. Sa tête vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il a joué dans le clip de PNL. Je crois que le titre, c'est « Deux frères ». Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à son père pour lui demander si je pouvais faire une vidéo sur lui. Hein. Il a que 12 ans, je ne vais pas l'exposer non plus. Ça serait un peu prématuré. Donc, il était un petit peu réticent, mais en voyant mes vidéos, il s'est dit « Bon, vas-y, il a l'air sympathique ce mec-là, gentil comme tout. Là, je me fais de la pub, bah oui. » Et il m'a donné son feu vert. C'est un petit joueur qui est très sérieux à l'école, travaille très bien. Son rêve, c'est de devenir vétérinaire. Eh ouais, hein, tout le monde ne rêve pas d'être footballeur. Hein. Son rêve, c'est de devenir vétérinaire, de s'occuper des animaux et tout ça. Hein. Moi, je trouve ça très honorable. Arsenal, Barcelone, je crois le Red Bull Leipzig et le grand Toro, c'est-à-dire le Torino, se sont renseignés sur lui. Je vous dis un truc, un secret de polichinelle, son père reçoit des coups de fil de partout. À tel point que même la mère de Cristiano Ronaldo l'a kiffé. Affaire à suivre. Il est très technique, c'est un super dribbleur, c'est un truc de fou. Hein. Comme je vous le dis tout à l'heure, hein, il dribble des plots. Il a une vision de jeu d'adulte et sur le placement tactique, on va dire sur le placement, il est... Ce petit-là, il est précoce, donc c'est pas pour rien que les gens ils le contactent. Donc non, il a toute la panoplie d'un très bon milieu de terrain. Voilà. Le style de jeu. Bah, c'est un des enfants à Zidane. Hein. Ses enfants, il en a eu plein. Hein. Il y a eu Kamel Meriem, Morad Megni, Samir Nasri, le dernier que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, Ryan Cherki. C'est un digne hérité de Zizou. J'ai pas dit qu'il va être comme Zizou. Mais je dis que c'est un de ses enfants. Bon, cessons de parler. Passons aux choses sérieuses. Tout de suite.
C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est bon pour la santé. Ouais, toujours avec mon maté, tout le temps, même à 3h du matin. Et ouais. Sinon, le petit Adam Lamouchi. Je l'avais dit, hein. Je lui ai dit qu'il était fort. Ouais. Je voudrais passer un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule parce que ça m'exaspère depuis un certain bout de temps. Il y a une politique de recrutement depuis la Coupe du Monde 98 qui m'exaspère, sincèrement. Parce que privilégier tout le temps le même profil, c'est-à-dire les grands, rapides et athlétiques, franchement, ça commence à me pomper l'air. Et Adam Lamouchi en est le parfait exemple. Des grands clubs en Europe viennent le superviser. Son père, tout le monde le contacte. Il n'y a pas un seul club français qui le contacte. Il n'y a pas un seul club français qui se manifeste. Mais c'est un truc de fou ce qui se passe dans ce pays. Hein. C'est pas pour rien que la Ligue 1, elle a pas la cote. Hein. Elle a vraiment pas la cote. Alors la Ligue 2, je vous en parle même pas. Hein. Franchement, c'est inintéressant. Donc, sincèrement, il faut changer de politique de recrutement parce que franchement, voilà. Vous avez vu avec Barcelone, avec l'équipe d'Espagne, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat à la fin quand on recrute des joueurs techniques et même petite taille. Donc moi, ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue. Bref, c'est mon petit coup de gueule. Sinon, mets un j'aime, partage-la et surtout abonne-toi. On vient de dépasser les 1000 abonnés. Et franchement, moi, je vous dis sincèrement merci. Peut-être que je vais faire un live, je sais pas, je me tâte. Hein. On va essayer de faire connaissance. Hein, parce que la majorité de mes abonnés, hein, je ne vous connais pas. Hein, donc... On va faire un petit live avec un petit FAQ, tout ça, avec grand plaisir en tout cas. Moi, je vous dis à la prochaine avec un autre Attention Talent. Tchuss.